Réflexion des derniers jours de Valérie Boyer sur le déplacement forcé du peuple d'Artsakh et le dernier génocide du peuple arménien. Les Arméniens font face à une épuration ethnique, religieuse et culturelle. Les Azerbaïdjanais, comme les Turcs en 1915, veulent effacer l'existence de ce peuple. Ils n'ont jamais caché leur intention. L'Azerbaïdjan déporte, massacre, viol, démarre des Arméniens dans une indifférence générale. Nous assistons malheureusement à la suite du génocide de 1915. C'est bien l'Arménie qui est attaquée. Nous devons exclure les juges de l'Azerbaïdjan et de la Turquie de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais l'urgence, c'est de protéger les frontières souveraines de l'Arménie, qui sont directement menacées. Même si la France s'engage pour l'Arménie, elle ne fait pas assez. Il est malheureusement trop tard pour l'Artsakh. Mais nous devons intervenir pour les otages arméniens retenus par l'Azerbaïdjan. Je demande à Emmanuel Macron de geler les avoirs de camp Aliyev, de renvoyer l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan, de mettre l'Arménie sous protection internationale, de faire cesser l'achat du gaz azerbaïdjanais russe.